Hello tout le monde, c'est Super Green. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale rentrée 2021. Je suis ravi de vous retrouver tous sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir après des vacances bien méritées. Et aujourd'hui, votre serviteur va se demander s'il ne s'agirait pas d'une rentrée triomphante pour le cinéma français. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi un triomphe. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur un triomphe, le nouveau film d'Emmanuel Courcol après Cessez le Feu. Un nouveau film avec Cadméra dans le rôle titre. Je vais y revenir, mais d'abord, j'aimerais vous partager mes deux déceptions de cet été. Oui, j'ai pas vu beaucoup de films, hein, j'étais en vacances, mais quand même, j'ai vu deux films. Alors, le premier, première petite déception, hein, moyenne, hein, ça va, c'est pas non plus la grosse catastrophe il s'agit de Hold, de M. Night Shyamalan qui nous a habitués à tellement mieux. Hein, c'est pour ça que vraiment j'ai eu un peu de mal avec ce nouveau film, avec euh, le village, euh, Sixième Sens. Euh, il y a eu également euh, Split, euh, Incassable. Euh, voilà donc énormément de très très bons films. Et c'est vrai que celui-là, voilà, bah écoutez, hein, clairement c'est pas mon préféré. Hein. Alors la fin ne m'a pas totalement déçu. C'est là que j'ai commencé un peu à me réveiller dans le film. Parce que sinon, le reste est assez risible. Hein. C'est vraiment... Euh, les personnages sont tellement stéréotypés, en fait, que Shyamalan arrive à mal les faire jouer. Alors, je ne sais pas si c'est les acteurs eux-mêmes qui qu ne sont pas terribles. Mais vraiment, voilà, c'est jouer avec les pieds, je trouve. Et il euh, y a beaucoup de défauts dans le film. Alors, évidemment... On est quand même sur un petit film de série B, il faut pas avoir de grosses attentes, mais le problème, c'est que il s'agit de Malan, donc c'est difficile en fait de ne pas espérer un peu plus, notamment sur la notion de vieillesse, hein, le vieillissement, qui est très bien évoqué, mais très peu traité dans le film finalement. Hein. Vous verrez, il y a un autre sujet qui est plutôt lié à des labos pharmaceutiques et euh, voilà. Donc sur ce sujet-là, c'est pas mal, mais du coup... Vous vous ennuyez pendant une bonne partie du film, euh, enfin tout, tout, le dé, tout le développement en fait. L'introduction est plutôt pas mal. Le, euh, euh, la, euh, donc le dénouement est plutôt réussi. Donc vraiment voilà, c'est tout le développement au milieu qui est un peu hasardeux avec des vieux trucs. Euh, c'est très peu angoissant. Il euh, y a quoi deux trois jump care qui va un peu vous faire sursauter pour vous réveiller pendant le film. Mais sinon c'est vrai que en dehors de ça, euh, le traitement vraiment de l'angoisse et notamment du vieillissement, et puis il se passe des choses, en fait les péripéties sont un peu euh, what the fuck, hein, vous demandez vraiment... Parfois ce qui se passe, les personnages pètent les plombs. Enfin, voilà, c'est dommage qu que justement les, les, les ressorts de l'horreur, en fait, euh, retombent dans des facilités. Alors que justement l'intérêt, c'était de traiter vraiment le vieillissement. Euh, euh, voilà, quitte à ce qu'il y ait moins d'horreur et que ce soit plus un truc un peu euh, euh, thriller, etc. Mais c'est vrai que ouais, j'ai trouvé que c'était assez risible. Quoi. Il y a des situations... Euh, euh, vraiment, vous êtes obligé de rire, hein. moi dans la salle, euh, voilà, je me souviens, hein, les, les gens rigolaient, donc euh, c'était euh, un petit peu gênant parfois. Mais bon, euh, voilà, écoutez, le dénouement n'est pas trop mal, c'est pas le meilleur film de ce c'est pas totalement scandaleux, scandaleux non plus, mais un peu déçu. Alors, deuxième déception de cet été, bah, écoutez, hein, c'est le nouveau OSS 117. Alors évidemment, Nicolas Bedos. Pourquoi pas, on va dire, il aurait peut-être pu justement se réapproprier un petit peu la, la saga et essayer de faire quelque chose d'assez cohérent avec le travail de Michel Hazanavicius. Mais en termes de rythme, ce film et je me suis ennuyé mais tout du long, hein, je vous dis, c'est vraiment une catastrophe. Alors je, le générique est plutôt soigné hein, d'ouverture parce que ça rappelle un peu les James Bond. Les, voilà, il y a un côté aussi où il y a un personnage qui rappelle un peu celui de Monopony, Donc en fait, voilà, il reprend des codes un peu des vieux James Bond avec Sean Connery. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Mais sinon. En termes de rythme, enfin, il y a toute une introduction. Il y a des scènes qui sont longues, qui sont longues et qui ne sont pas intéressantes. Enfin, c'est incroyable, quoi. Le problème de rythme du film... Et puis, évidemment, ce qui était intéressant chez OSS, ce personnage, c'était euh, ce, ce côté où euh, il était euh, assez stupide. Donc, euh, vraiment, on comprenait hein, les, les, euh, les propos déplacés, etc., maladroit. Mais là, c'est l'écriture scénaristique même qui est, mal, qui est maladroite, en fait. Hein. C'est pas, pas OSS 117, c'est vraiment la, la manière dont sont amenées les scènes et sont écrites les scènes qui fait que OSS... Bah là, pour le coup, euh, passe vraiment pour un... Enfin comment dire C'est pas juste le personnage qui est stupide, quoi. On met vraiment des, limite des blagues racistes pour avoir des blagues racistes, quoi. Donc, je... Je, voilà, sans polémique, hein, évidemment, je veux pas créer de polémique, mais j'ai été un peu surpris, quoi, j'aurais, ça aurait été un petit peu, ça aurait été mieux avec un peu plus de finesse, de, voilà, parce que là, franchement, c'est un peu catastrophique, on se demande ce que raconte le film. Alors, sur le personnage d'OSS, évidemment, c'est le vieillissement, parce qu'il y a le personnage de Pierre Ninet qui est là pour contrebalancer et rappeler qu'OSS est un personnage, enfin, voilà, un héros vieillissant, mais je sais même pas si c'est vraiment intéressant de faire ça, euh, surtout à cette étape, surtout sur un troisième volet. Est-ce que c'est vraiment intéressant de montrer un OSS qui euh, ne supporte pas de se voir vieillir euh, Donc je sais pas trop, mais voilà, donc un épisode un peu spécial, malaisant, euh, les blagues passent un peu mal parce que du coup elles sont soit pas totalement assumées, soit je sais pas, mais il y a de la maladresse dans l'écriture. Qui fait vraiment que ça passe pas. Alors en tout cas, en tout cas, euh, voilà, je pense que qu'on soit d'accord ou pas sur euh, le ratage de Nicolas Bedos sur ce sur ce film, je pense qu'on conviendra tous qu'il s'agit du euh, voilà du moins bon volet de la saga. Je pense que c'est assez clair. Moi, j'avais adoré les deux premiers, et là, c'est vrai que euh, voilà, l'humour du troisième, euh, le, pour, et puis pour une comédie d'action, on attend plus quoi. Et puis OSS, voilà mais beaucoup de temps à régler certaines situations qui sont assez faciles, alors que dans les deux premiers, il avait plus de facilité à le faire. Là, c'est euh, un, un peu curieux, donc euh, voilà, je, un peu déçu euh, par ces deux films, alors moins sur Old quand même, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, donc euh, les... ces deux films estivaux hein, que j'ai vus euh, m'ont un peu déçu, donc écoutez. En tout cas, aujourd'hui, il s'agit donc du film français de la rentrée. Hein. En tout cas, il y a plusieurs films français hein, qui sont sortis, qui, euh, qui sont euh, voilà, assez attendus au tournant. Euh, mais en tout cas, voilà, Un triomphe, donc, d'Emmanuel Courcol, qui est un scénariste à la base, hein, acteur scénariste. Il a travaillé pour les films de Philippe Lioray, alors il y en a beaucoup, hein. l'équipier de mémoire... Euh, Welcome. Il y a eu également euh, Mademoiselle et euh, un des rares sur lequel Emmanuel Courcol n'a pas travaillé, c'est Je vais bien, ne t'en fais pas. Donc euh, film culte hein, de Philippe Lioré qui avait révélé donc Mélanie Laurent. Donc celui-là, il n'avait pas travaillé dessus, mais c'est pour vous situer un petit peu qui est Philippe Lioré. Voilà. Et donc, il avait réalisé en 2016 avec Romain Duris Cessez le Feu, alors qu'elle avait l'air assez prometteur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais ça avait l'air assez, euh, assez réussi. Voilà, donc euh, le passage à la réalisation d'Emmanuel Courcol est assez récent. Donc aujourd'hui, il s'agit de son nouveau film, Un Triomphe, qui revient donc sur. Le... Les mésaventures donc d'un acteur un petit peu en galère. Hein. Il s'agit d'Étienne, interprété par Cadmerad, qui revient un petit peu avec un rôle de la même trempe, hein, de la même verve que Baron Noir, je trouve, hein, sur ce côté pugnace, sur ce côté euh, combattant, un hein, conquérant, euh, vraiment un personnage déterminé et têtu, hein, et euh, plutôt attachant donc de cet acteur Étienne hein, qui euh, vraiment voilà galère donc il va un jour décider euh, eh bien de donner des cours en fait à des détenus dans une prison. Voilà, donc le film commence comme ça hein, directement. On voit donc euh, le passage en fait, hein, les différents ça à passer, euh, pour entrer dans la prison. Donc on suit le personnage de Cadmerad, et là donc il va découvrir les cinq détenus hein, à qui il va devoir faire la classe. Donc dans un premier temps, il essaye vraiment de voir s'il y a quelque chose à en tirer, est-ce que vraiment la cohabitation n'est hein, pas facile au début. Et euh, finalement, il va s'apercevoir que euh, eh bien ils ont quand même un peu du talent ou euh, des choses qui sont un peu innées, euh, voilà, qu'il va pouvoir faire travailler en tout cas. Donc dans un premier temps, évidemment, il faut euh, eh bien, les, euh, les convaincre hein, vraiment que ça peut être intéressant pour eux. Donc il va, se... il va décider en fait, hein, au vu de, de, de leur côté un petit peu où ils sont toujours dans une attente, hein, vraiment ces, ces détenus sont toujours dans l'attente de quelque chose, de pouvoir sortir d'un avenir meilleur, de pouvoir se, voilà, se réinsérer, donc c'est toujours dans l'espoir, dans l'attente, etc. qu'il se passe quelque chose. Donc justement ça va mettre la puce à l'oreille à Étienne qui va décider de mettre en scène, en attendant Godot, la pièce culte de Samuel Beckett. Avec ses détenus. Et pourquoi pas dans un vrai théâtre, et oui, vous m'entendez bien, dans un vrai théâtre, faire jouer des détenus. Donc, chose qui va euh, être difficile de négocier, évidemment, hein, avec la, la directrice de la prison, qui est vraiment euh, voilà, interprétée à la perfection par Marina Hans. Euh, vraiment, j'ai euh, adoré, euh, adoré donc, euh, sa, sa performance, elle est vraiment géniale. Donc il va y avoir voilà, des rapports un peu conflictuels dans un premier temps, hein. ça va vraiment être difficile en fait de faire accepter d'avoir six mois de répétition dans la prison euh, pour pouvoir les faire jouer, euh, et puis ça va remonter aussi aux oreilles de la juge, qui est encore plus euh, réticente à cette idée, mais finalement, à force de persévérance, Étienne va obtenir gain de cause, voilà, il va réussir à, à faire jouer donc ces détenus. Alors dans un premier temps, voilà ce qui est très drôle et ce qui est très feel-good dans le film, hein, c'est pour ça qu'on la voilà, on le vend un petit peu peu comme un film très feel good, c'est que euh, voilà, ça fait plaisir de voir justement cette humanité qui se dégage de ce film, c'est-à-dire que bah, des détenus, hein, donc euh, des personnes potentiellement criminelles qui ont fait des choses abominables, hein. euh, en plus le film, malgré son côté feel good, en fait, n'est pas niais, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans quelque chose de plutôt réaliste hein, pour, ce, pour ce film, on va dire, plutôt populaire, euh, mainstream dans sa démarche, mais en fait, euh, voilà, il, il est quand même assez incisif, hein. il ne vous épargne pas quand même des... Euh, des éléments de réponse sur euh, qu'est-ce qu'ont pu faire ces criminels. Donc euh, voilà, et ce qui est intéressant, c'est justement de, encore une fois, et c'est en cela que le cinéma est un art magnifique, c'est-à-dire que ce n'est pas manichéen, et voilà, on est au plus proche de ces individus, on montre que c'est des gens comme tout le monde qui ont dérapé un jour ou l'autre dans leur vie, et le théâtre va pouvoir être un moyen d'expression, hein, voilà, un exutoire pour ces détenus pour se révéler, et euh, vraiment voilà, ça c'est euh, ce qui est vraiment euh, réussi dans le film, et cadméran m'a impressionné, hein, je dois avouer que c'est pas tous les jours qu'on voit cadméran dans un rôle aussi fort, je me demande même si au cinéma ce serait pas son plus grand rôle, hein, voilà, personnellement, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, je sais qu'il a joué aussi dans la mélodie, où il, euh, voilà c'est est un enseignant de, de musique, hein, par, de mémoire, euh, donc voilà, il a déjà joué aussi euh, comme ça un personnage qui était plutôt dans l'enseignement, donc, euh, donc, ça lui va bien. En tout cas, voilà, c'est un très bon choix. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu étonné. Je me dis tiens, Cadmérad, bon, euh, on va voir et tout. Et il est formidable. Mais alors d'une crédibilité euh, vraiment, j'ai trouvé que c'était un très très bon choix. Donc, euh, d'ailleurs, Emmanuel Courcol l'avait choisi justement après avoir vu Baron Noir. Donc voilà, il s'était dit que ce serait un très bon choix justement par rapport aux caractéristiques du personnage. Donc vraiment, c'est un très bon choix. Euh, au niveau de la photographie aussi c'est plutôt bien réussi alors c'est vrai que c'est très caméra épaule, il euh, y a un côté assez réaliste justement qui, euh, qui euh, vraiment, euh, que permet en fait ce, ce type de procédé cinématographique hein, en tout cas de mise en scène donc euh, c'est assez bien fait alors c'est vrai que quand on voit ce film, on pourrait se dire c'est un film qu'aurait pu réaliser Eric Toledano et Olivier Nakache, hein, ce duo mythique hein, qui nous a euh, quand même hein, dans le cinéma français nous a apporté de belles pépites, hein, notamment euh, donc euh, euh, Intouchables et hors norme hein, plus récemment. Donc c'est vrai que ça aurait pu euh, vraiment ce type de projet aurait pu euh, vraiment arriver, enfin euh, ça aurait pu donner l'idée à Toledano et Nakache de faire un film là-dessus justement parce que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est Jan Jonsson, voilà, qui était donc un acteur suédois, un metteur en scène hein, inconnu, qui a eu le pari fou, hein, justement, en 1985, d'adapter donc avec des détenus en attendant Godot de Samuel Beckett. Et Samuel Beckett, d'ailleurs, c'est arrivé jusqu'à ses oreilles, euh, puisqu'ils se sont rencontrés hein, quelques années avant sa mort, puisque Samuel Beckett est mort en 1989. Donc c'est ouais, un très très beau film. Alors on voit également, le film va également vous montrer un petit peu donc, la, la, la vie personnelle hein, d'Étienne, de, de, hein, puisqu'il y a sa fille, hein, avec qui il va avoir des rapports un peu conflictuels, parce que voilà, euh, Étienne a un peu des, des problèmes personnels, en fait, qu'il va tenter de régler aussi en essayant d'aider les autres. Hein. C'est un peu sa, son, voilà, sa, sa manière aussi de, 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 voilà, de, de sortir un peu ses vieux démons en aidant ses détenus. Euh, donc c'est assez beau, hein. il y a des moments très très beaux dans le film. Euh, et en même temps, comme je vous dis, il n'y a pas ce côté niais qu'il y a dans les films feel good un peu facile, vous voyez. Euh, Emmanuel Courcol a vraiment travaillé son sujet sur, les, sur la prison en fait et les détenus pour qu'il y ait un minimum de réalisme et je trouve qu'il y en a beaucoup hein. euh, alors euh, évidemment il y a ce côté positif mais ça c'est le, le parti pris du réalisateur de montrer quelque chose de positif, de beau euh, dans, euh, voilà, dans cette pièce euh, qui vraiment euh, évidemment il y a des situations cocasses il y, y a des répétitions qui, qui foirent des trucs, fin, vous verrez c'est assez fou mais, euh, ouais, c'est un très très beau film, solaire, euh, euh, et encore une fois, voilà, qui traite vraiment son sujet. Vraiment, quoi, euh, par moment où vous vous dites, est-ce que ça va pas esquisse, esquisser les vrais problèmes de ces détenus Non, c'est aussi abordé. Donc, euh, vraiment, ouais, j'ai été bluffé. Alors, il y a Sofiane Kam, qui interprète donc le rôle de Kamel, euh, qui était donc dans... Euh, que vous avez vu récemment dans La Nuée, hein, vous pouvez retrouver ma critique sur ma chaîne qui est formidable, hein, vraiment d'un naturel. Et euh, voilà, ça fait penser à des personnes comme ça. Euh, vous voyez, il a le côté un petit peu sale gosse, en fait, hein, du fond de la classe. Hein, il a un peu ce côté-là, qui fonctionne très très bien. On a également euh, David Ayala, qui joue Patrick, alors qui est vraiment extraordinaire. Mais vraiment, je l'ai trouvé extraordinaire. C'est magnifique, il est incroyable, donc il, lui il, il fait tout pour essayer de de, 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 de plaire à sa femme en fait pendant les, pendant les, les représentations, c'est assez beau, assez mignon. Euh, Lamine Sissoko qui joue Alex aussi, très très bon, Sofiane Kem, comme je vous le disais, Pierre Lotin voilà, donc euh, l'acteur de la saga Letuche, hein, qui est euh, bluffant. écoutez euh, enfin un rôle dramatique fort pour Pierre Lotin et ça fait vraiment plaisir. Nous avons également euh, Wabinle euh, Nabier, voilà, qui joue Moussa, qui est extraordinaire, extraordinaire, euh, vraiment, c'est fou, parce que son personnage s'intéresse vraiment à la littérature, et ça fait plaisir de voir qu'il va pouvoir, grâce à la prison, finalement, et eh bien, euh, se, se lancer euh, en tant qu'acteur, donc c'est assez beau, on a euh, Alexandre Medvedev, voilà, donc... Euh avec le personnage de Boyko, hein, donc lui euh, qui est plutôt donc, dans l'entretien de la salle, et finalement il va se lier d'amitié avec ce, avec ce groupe de théâtre. Donc voilà, personnage voilà, euh, le, le, du russe qui est assez, euh, assez touchant aussi. Saïd Ben Shnafa, voilà qui joue Nabil, donc je n'en dis pas plus, il fait partie de l'équipe au début, je ne dis pas ce qui va se passer par la suite. Voilà, donc juste en précisant quand même que euh, Wabinle Nabié, hein, qui joue Moussa, donc avait déjà joué dans Cessez le Feu, donc voilà, d'Emmanuel de, euh, Courcol. Donc peut-être qu'il va être. Euh, voilà, ça peut être un habitué, hein, par la suite, nous le verrons, euh, de la troupe de Courcol. Voilà. Donc écoutez, euh, franchement, pour moi, c'est un gros, gros, gros oui sur ce film. Euh, alors sachez, voilà, donc comme je vous le disais, hein, il s'agit d'une histoire vraie. Donc euh, euh, ça fait vraiment plaisir de voir euh, que. Euh, de, 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 voilà, de s'emparer d'un sujet aussi important. Pourquoi Parce que grâce au cinéma en fait c'est un cinéma qui parle aussi du théâtre donc c'est ça qui est très fort ça parle à la fois en fait de la condition des détenus dans les prisons ça parle également aussi de la difficulté de réinsertion pour ces personnes-là. Euh, et en même temps, ça parle du théâtre et vraiment de l'absurde de montrer que finalement, euh, dans la vie de tous les jours, dans le monde difficile dans lequel nous vivons, il y a des situations comme ça. Les prisonniers sont aussi dans une attente. Hein. Euh, ils n'attendent pas Godot, mais ils attendent aussi euh, bah, de, de pouvoir euh, revivre, hein, tout simplement, de regagner aussi des... le droit à la liberté. Donc c'est assez touchant, euh, vraiment, voilà, je, on passe un très très bon moment, c'est un film qu'on peut voir, revoir et re revoir euh, vraiment, avec, euh, euh, vraiment avec délice. Euh, voilà, ça me fait penser, vous savez, un petit peu à ce genre de films qu'on peut voir mille fois, euh, qui sont vraiment très très humains et touchants, euh, comme Green Book, hein, vous voyez, euh, c'est voilà, dans un autre style aussi, sur le racisme, etc., euh, euh, mais c'est très très beau en fait justement. Hein. C'est vraiment des films qui vous prennent euh, euh, au tripes parce qu'il y a de l'humain, parce que c'est facile d'accès. Vous voyez, évidemment, ça va brasser large parce que. Mais c'est ça qui est très fort, c'est qu'à la fois, je pense que c'est un film qui peut contenter les cinéphiles très très, euh, on va dire très très, euh, voilà, très critiques. Hein, et d'un autre côté, euh, voilà, de ramener en fait les, les spectateurs dans les salles pour voir du cinéma français, du bon cinéma français. Et et oui, ça existe. Il y a quand même un minimum de, de prise de risque sur ce film. C'est pas facile d'aborder un thème comme celui-ci. Je trouve que c'est très bien fait. Et, euh, et par rapport à l'histoire d'origine, hein, si vous creusez un petit peu hein, sur Jan Jonsson, hein, ce Suédois qui a voulu faire jouer donc, euh, des détenus donc, euh, dans un, un grand théâtre de Göteborg, c'est euh, très très fidèle. voilà. Et en même temps, il euh, y a ce travail d'écriture du scénario. Hein, euh, qui a été euh, donc, euh, euh, effectué donc, par Emmanuel Courcol, mais pas uniquement, il y a eu un, un co-scénariste. Hein. Euh, il s'agit de Thierry de Carbonnière. Voilà. Euh, ils ont travaillé de concert sur le scénario. Et je trouve que c'est à la fois fidèle donc, à l'histoire d'origine, dont, dont le film s'inspire, et en même temps, euh, il y a cette liberté qui a été prise hein, sur, euh, sur certains événements ou des, des moments qui ne sont pas exactement les mêmes, mais voilà, qui veulent dire la même chose, qui racontent la même chose. C'est excellent, vraiment, on passe 1h46 de pur bonheur, voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce film, alors c'est vrai que c'est difficile de faire une critique, et finalement, de... <laughs> voilà, je ne peux que témoigner ma joie, en fait, face à ce film, c'est difficile de... de voir quels sont un peu les points négatifs. Pff, euh, non, ça évite franchement les erreurs, moi ce que j'aime beaucoup sur ce film, c'est que ça évite justement les choses trop faciles, trop gnangnang, euh, c'est pas si ignorant que ça en fait, hein. c'est ça qui est fort, c'est d'arriver vraiment à faire un film positif, mais en montrant, en, en traitant aussi les vrais sujets, les problèmes en fait dans les prisons et de, euh, voilà, de la, la, la manière dont on perçoit les détenus. Parce que c'est vrai que la perception dont on a des détenus, hein, vraiment c'est... Parfois, elle est un peu biaisée par, par le fait que voilà, c'est toujours pareil, il y a des clichés et le, ce, voilà, le cinéma permet vraiment de s'intéresser à eux parce que euh, et à leurs conditions en fait. Alors évidemment, ça n'excluse ne, pas évidemment leurs crimes, etc. Bien entendu, mais voilà, ça parle de l'humain comme quoi voilà, il y a quelque chose qui fait que ils sont pas si différents enfin, de nous en fait. Ces détenus en fait, on voilà traversent une mauvaise passe, on fait des bêtises, voilà vraiment des trucs horribles parfois ou euh, parfois voilà c'est compliqué parce qu'évidemment on ne rentre pas non plus totalement. Certains diront que c'est peut-être le souci du film, c'est de pas rentrer plus justement sur la raison. Du, de, 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 du fait que chaque personnage en fait est, est, est dans cette prison, mais euh, mais quand même, c'est un peu évoqué. On comprend un peu que voilà, on, on vous laisse pas non plus sans réponse totalement. Donc vous avez un petit peu une idée hein, du type de délit ou de crime sur chaque euh, sur chaque détenu. Donc voilà, mais il faut savoir que le personnel n'est pas tendre non plus hein, évidemment puisque euh, le chef de détention, hein, interprété par Yvon euh, Martin est vraiment aussi assez cruel. Donc voilà, c'est pas Patrouse vraiment, c'est pas un film qui, qui vous édulcore complètement la vie de la prison. Hein. faut pas montrer non plus que c'est un Eldorado et que ça... Un... <laughs> voilà, évidemment. Mais, euh, mais ce qui est beau, c'est l'humanité qui s'en dégage. Euh, et, et surtout, voilà, de ce personnage d'Étienne qui fait tout, en fait, pour, euh, pour faire gagner, euh, finalement, l'humanité. Le, 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 voilà, C'est ça qui est beau, en fait. C'est toute sa démarche parce que euh, c'est très difficile, hein, euh, euh, quand on, vous écoute, voilà, on ne vous écoute pas et pourtant Étienne a quand même les clés pour essayer de sortir ces jeunes. Alors évidemment, il essaye de s'en sortir aussi puisque lui n'a plus de rôle. Euh, il est boudé par euh, donc son, son rival euh, Stéphane, hein, interprété par Laurent Stoker hein, de la comédie française, euh, qui est aussi très très bon aussi dans, dans, dans son rôle. Et vraiment voilà, donc euh, il faut savoir qu'il y a une histoire entre eux hein, entre ce Stéphane et ce Étienne hein, parce qu'ils avaient joué en, en attendant Godot, en 95 ensemble, hein, ils ont des vieux souvenirs et puis après, pour des raisons euh, personnelles, euh, voilà, le, les choses de la vie font que leurs chemins se sont séparés. et euh, voilà donc, euh, c'est assez beau parce que c'est aussi une réconciliation amicale. c'est aussi, une, euh, ça parle aussi de la famille euh, quand on est acteur, comme on peut être aussi père de famille aussi. donc, voilà, il y a beaucoup de choses en sous-texte. moi, pour moi, c'est une belle pépite. voilà. Alors évidemment, ce n'est pas le seul film à mon avis de la rentrée qui est, qui est vraiment euh, à voir. Hein. Je sais que Back North euh, voilà, a vraiment fait sensation auprès des spectateurs. Alors évidemment avec un traitement j'imagine beaucoup moins feel good. Mais voilà, qui peut être intéressant. Donc c'est vrai que pour la prochaine fois, voilà, je, je pense m'intéresser à Back North et peut-être un autre film. Euh, voilà. Alors France de, euh, le, de Bruno Dumont. Euh, désolé pour ceux qui voulaient peut-être avoir une critique de ma part, mais c'est vrai que Bruno Dumont, j'avais un peu de mal avec ma loot. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait quand même que je le voie. Bon, euh, vu, euh, vu un peu ce qu'on en dit tout ça, évidemment, hein, faut pas s'en tenir à ça, faut, faudrait que j'ai ma propre lecture du film. Mais euh, voilà, je suis pas... Euh, voilà, j'ai pas été, été plus attiré que ça, à part le fait que voilà, euh, euh, Mélanger, Léa doux et, euh, et Blanche Gardin dans, dans un même film, ça aurait pu être intéressant, donc je ne sais pas. Si vous l'avez euh, si vu, n'hésitez pas à me dire. Voilà, bon. En tout cas, voilà. Donc, il y a plusieurs films français hein, qui arrivent aussi, où, euh, dont je parlerai dans les prochaines vidéos, euh, qui ont quand même retenu mon attention, où je me posais la question, est-ce que je lui donne sa chance, est-ce que j'en fais une critique ou pas, vous voyez Donc, voilà. Donc, écoutez, voilà, en tout cas, pour moi, pour un triomphe, écoutez, c'est un beau film de la rentrée, hein, franchement, voilà, hein, pour, un, pour une sortie en euh, 1er septembre. C'est vraiment une très belle réussite. Euh, N'hésitez pas à voir ce film, hein, vraiment, ça, ça fait vraiment plaisir. Un film produit par Agathe film euh, d'ailleurs, hein, euh, donc c'est la société de production de Robert Guédiguian. Hein. Alors il y a plusieurs producteurs, hein, ils sont huit dans cette équipe, mais euh, voilà Robert Guédiguian qui fait aussi des films très, très humains, très, très sociaux pour le coup. Donc euh, ouais, je trouve ça intéressant aussi que Guédiguian euh, produise ce genre de films. Donc euh, ouais, je pense qu'il a, a cru au projet, à la viabilité du projet aussi. Et, euh, et il a eu raison, voilà. Donc écoutez, voilà, une belle équipe de cinéma, euh, vraiment ça fait plaisir aussi, je le redis encore une fois, de voir Cadmerat dans ces rôles-là, ouf <laughs> Voilà, on a, on a eu la série Baron Noir, je suis tout à fait d'accord, mais au cinéma il manquait quelque chose, c'est vrai que le cinéma, il faut aussi y penser aujourd'hui, c'est ce genre de film, vraiment, qui me donne envie de retrouver les salles obscures euh, en cette rentrée, donc voilà, et euh, d'autant plus qu'il s'agit d'un film français, donc voilà, ça fait aussi plaisir de voir un film français avec euh, voilà, de l'audace. Donc euh, ça fait vraiment plaisir. Donc écoutez, je vous recommande vivement d'aller voir Un Triomphe d'Emmanuel Courcol avec 4 mérades Ne boudez pas votre plaisir. Faites-vous un pur kiff pour cette rentrée. C'est un très beau film, il n'y a aucune hésitation. Allez voir ce film. Je vous le recommande et allez le voir bien sûr dans les salles de cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner... D'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph underscore LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter, je fais également des contenus, du live comme vous le savez. Et je communique aussi avec vous, hein, tout simplement, pour vous annoncer les prochaines vidéos. Euh, si vous avez des questions, notamment, c'est une manière aussi de pouvoir être en direct avec moi. Voilà, c'est plus facile que sur YouTube, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram pour plus de proximité. Et en attendant, bah écoutez moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, euh, et en attendant hein, les prochaines sorties, les prochaines critiques, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao